Dans cette vidéo, on joue Radahn sur Elden Ring. Et on a toutes les attaques, donc on peut s'amuser comme on veut. Et c'est parti. Là, du coup, je vais commencer par m'amuser un peu avec le sentinelle de l'arbre juste ici. Le premier boss, là, il nous a tous traumatisés. Vous vous rappelez de lui? Et bah, aujourd'hui, sur Radahn, il est foutu, vous allez voir. Ça, ça fait quoi, ça? Oh, je vais dans le ciel. Me dis pas que c'est le truc où on revient en faisant une grosse explosion, là. Oh, ça arrive, ça. Wouah, c'est bon. Là, j'ai mangé toute la commu Elden Ring, là. On est tous joyeux de voir qu'il s'est fait bousiller. Maintenant, on va avancer, on va combattre plein de boss, et puis on va bien s'amuser. Mais en vrai, mec, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, on va essayer de combattre Malenia avec Radahn. Et si j'arrive à la Force Strike, je me propose un petit plaisir. Ce serait de combattre Placide du Saxe avec l'Elden Beast, la bête d'Elden. Et on va bien s'amuser. Par contre, si je rate, je vais devoir aller dehors, demander à un chauve de toucher son crâne. Voilà, c'est le défi. Comme ça, quand je combats Malenia, je mettrai bien la pression, et puis on verra. Ok, déjà, c'est trop bien sur le chemin, frère. On pète tous les arbres. On a aussi la petite monture, Leonardo, le petit cheval, là. Courage à lui pour soulever le gros Radahn. Ok, on est arrivé. Du coup, pour vous expliquer comment ça fonctionne, chaque touche correspond à une attaque ou alors un mouvement, sauf les trois là. Et on a une grosse panoplie d'attaques et on va bien s'amuser. Oh, oh les mecs, on a les deux gros, les trucs qui sortent du sol là, les armes de charbon. Ok, ok. Le truc, elle est... Merde, je suis mort, mais c'est parce que j'avais un HP en fait. Ouais, je montre qui y a. Regardez, ils se sont tous réunis. Parce qu'on voit Radahn, il est pas suffisant, il a pas assez de vie. On va sortir un autre bon perso. Attends, t'es pas prêt. Malenia Prime, les mecs. Bon, c'est pas la phase 2, parce que dans la phase 2, elle est à poil, et quand même un minimum de pudeur, s'il vous plaît. Mais par contre, Malenia, elle est bien bas... Oh, regarde le défi. Tiens ça, dans le bouclier. Ah, quand même, il a du répondant, hein. Oh, c'est la... C'est la waterflow dance. La danse de pluie. Il y a survécu, par contre, ça c'est un exploit. Attaque. Décale sur le côté. Ah, je sais ce qu'il te faut, toi. Voilà. Et guettez, faut que je vous montre aussi une attaque qui a été supprimée. La waterflow danse, mais sans en prévenir. Depuis tout à l'heure, ils m'ont un peu savaté, je vais être honnête. Et voilà, il n'y a plus personne qui dit rien. Le loup là-bas, là, il fait le mec un peu. Ouais. Voilà. Du coup, les mecs, vous le savez, le premier boss à vaincre, c'est évidemment Margit. Et pour Margit, les mecs, j'ai une petite surprise pour vous. Attention. On a appelé le gros Elden Beast. Et c'est bon. Je suis la bête d'Elden. Je sais pas ce qui se passe. En fait, il me fait des dégâts quand même. Ah, guettez, j'enlève des HP là. Wouah. Ça, c'est les attaques de base. Ça envoie des petites boulies jaunes. Ça, c'est quoi ça? Oh, on va sous l'eau. Wouah. Et attends, je suis en train de l'éviter en l'air. Et d'ailleurs, il a une épée, hein, l'Elden. Moi, je pensais qu'il combattait juste, c'est la bête. Mais la bête, elle est armée, ça, j'avais complètement zappé. C'est quoi, ça, c'est quoi, c'est quoi? Ah, je suis en l'air, attends, je suis dans le ciel. Regardez en l'air. Je fais vraiment ce que fait la bête d'Elden, moi-même, je le fais. Oh, le portail. Et y a plein de trucs qui pètent de partout, je m'amuse trop. Plateau de voile orage, mais je suis en plein combat contre Margit, qu'est-ce que tu me racontes? Par contre, je vais mourir là, non? Oh non, Elden Beast est... Elden Beast est mort. Si la grandeur n'a pas suffi, on va invoquer toujours plus de grandeur. Qui d'autre que le géant de feu pour représenter la grandeur d'Elden Ring? Allez, c'est parti. Voilà, mon pote. Il est 1300, comme ça, on l'écrase. Si je fais... Je pas flèche du haut. Oh. Ah oui, les flammes là. Du coup, Margit, il va brûler. Allez, brûle, mon pote. C'est moi, je suis KO. Non, c'est bon. Je me suis couché carrément. Voilà. Et la scène, elle a aucun sens. Elle est vraiment complètement goofy. Le géant de feu, il peut même pas passer dans les... Regarde, tu veux le faire passer dans le portail? Il passe rien du tout. Ce genre de Gaulois déçu par le système électoral, mon pote. Ce genre de Français du tiers monde. Bon, les mecs, j'ai une idée, parce qu'avec ce mode, on peut se transformer en tout ce sur quoi on peut lock. Et donc, vous savez, la fameuse boule de pierre qui roule là, qui donne une larme larvaire, et bah ça, on peut lock dessus. Donc, théoriquement, on devrait pouvoir se transformer. Moi, honnêtement, je sais pas, on va vérifier. Est-ce qu'on peut? Oh, mais oui, maintenant, du coup, si je veux, je peux devenir les chevaliers. Bah vas-y, bah c'est parti. Et du coup, est-ce que je peux utiliser la magie face à leurs propres alliés, ou alors ils me laissent tranquille? Tu veux pas attaquer, hein? Ah, mais du coup, guettez, j'ai encore mon bouclier. Enfin, bouclier, bon, c'est une casserole le truc, mais t'as compris. Ah, pourquoi y'a pas de texture? Ah, ça... Bon, ok. Cette fois, on va essayer de jouer Godfrey. Oh, il est tout jaune, il est tout golden. Il a même pas de texture. Oh. Wow. Ah, c'est à ce point-là. Attends, on va où? Je connais pas les attaques. Ah, il est déjà mort, Godfrey. Ah, mais c'est une fraude. Maintenant, les gars, j'ai décidé de prendre Wararou, je sais pas comment on l'appelle, mais bref, Godfrey phase 2. Et là, ça fait mal. Oh, il est trop balèze. Ce mec, il m'avait traumatisé. Ah, mais
J'ai fait le con. Je sais pas pourquoi. Ah, ah non, c'est bon, ça joue encore. Ah, mais ça joue plus. Un coup ça joue, un coup ça joue plus. Il est trop fort, frère. Ah, mais on peut spammer l'attaque en fait. Ah, mais c'est facile comme ça. Mais fallait me dire. Ah, bah voilà. Ça, ça fait quoi ça? Oh, y'a tout qui va exploser. Oh, c'est l'ultime, je connaissais. Alors toi, toi le, mon petit géant, je suis plus géant que toi. Aujourd'hui, je suis encore plus fou que toi. Voilà, tiens ça mon pote. Oh ouais. Mais en fait, il fait secouer le sol et y'a personne qui peut rien face à lui. Hein. Mais quand même, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'arrête quelques secondes pour vous dire de contempler Elden Ring. Regardez comment c'est magnifique. C'est beaucoup trop beau, les étoiles, l'obscurité, les particules, les couleurs, la beauté, le feu. C'est beaucoup trop beau. Franchement, je suis subjugué. On est où, là? On est à Nokron, la ville éternelle. C'est qui, lui? Oh, mais c'est moi! Eh ben, moi, je suis toi. Maintenant c'est bon, c'est fini la bagarre. Ok bah tu sais quoi, toi tu veux devenir moi? Et bah tu sais pas que Rafox il a bien galéré face à Malikette. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui je suis Malikette. Mais c'est pas Godfrey qu'il faut attaquer. Tu t'es trompé de sauce chef. Oh il est trop cheaté. Ah il était Régine. C'est quoi ça? Why? Mais elles sont trop zinzin les attaques de Malikette. Bah je crois que c'est lui qu'il faut jouer en fait hein. Il est trop cheaté ce boss. En plus comment il bouge vite Malikette. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là mon petit pote? Mais qu'est-ce que tu... Mais toi tu t'es perdu en chemin toi. Oh c'est trop cheat. Et là ça va péter. J'aime trop Mistral la vérité. Il est tombé carrément. Non moi aussi je suis tombé. Mais non mais j'ai pas fait exprès. Ok bah voilà pour ce que je voulais faire tout à l'heure, j'ai trouvé la fameuse boule, je deviens la boule, et est-ce que je peux bouger, je peux faire quoi? Ah je peux rien faire. Ah si, la vérité je roule. Guettez. Si, je peux les écraser. Ah je pensais que ça fonctionnait pas. La vérité mon gars, toi t'es mort, je te bousille. Voilà, ah en fait il y a le frein et accélération. Je crois L2 c'est l'accélération, et R2 c'est le frein. Ouah on peut bousculer. Tiens, tiens ça, tiens ça. Mets lui des gros coups d'épaule. Tiens ça. Et le coup final. Ah non il est pas mort, il a un HP. Et bah voilà. Est-ce que je peux passer par la porte? Quand même, ce serait bien sympa. J'ai envie de passer par la porte. Bah non, c'est bloqué. Oh, tu peux pas m'attaquer. Quoi, cet endroit? Je suis jamais venu là, moi. La vérité, j'ai fini Elden Ring. Je connais même pas ce village. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a des dames qui dansent comme ça. La vérité, je connaissais pas. Après, c'est des femmes, donc ça va, j'ai pas peur. Eh ouais, mais c'est pas ce que je voulais faire. Imagine, je suis trop gourmand. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est quoi cette... En fait, non, y a pas à être gourmand. Ouah, y a des méchants. Mais moi, j'étais gentil, la vérité, j'ai attaqué personne. Et eux, ils m'attaquent ou pas? Non, ils sont gentils. Non, ils sont pas gentils. Allez, tu vois, ici, y a un feu. Allez, viens cuire la viande. Mais c'est le féminisme, hein. Les femmes, elles veulent plus cuire la viande. Maintenant, elles veulent travailler. Elles veulent combattre comme des hommes. Wesh, c'est qui elle? I am Melania, Blade of Mikala, and I have never known defeat. Quoi? Ouais, les mecs, je sais pas ce qui vient de se passer, mais vas-y, venez, on reprend tout simplement. On va retuer ces femmes. Juste, je l'admets, apparemment, les femmes sont aussi fortes que les hommes, tout ça. Bah, dans ce cas, on va jouer Malenia, hein. Tu veux jouer à ça, moi, je joue. Et ben, on va voir la force d'une femme. Wouah! Comment je l'ai éjecté? Allez, hop. La water. Hein? Comment elle m'a arrêté, frère? Mais non, mais tombe pas! Tac, voilà, 139. Elle a été bousillée, et c'est bon. La waterflow dance qui a été supprimée, sans prévenir. On bousille tout le monde. Et tout à l'heure, face au soldat de Godric, il y a un truc que je vous ai pas montré. C'est l'attaque finale. Là, je deviens QB, frère. Et voilà. Hop. Qui va dire quoi? Putréfaction, et j'ai putrifié tout le monde. C'est calme d'un coup, hein. Ah ouais. Oh, l'Otama. Ah, ma petite pote. Ah, pourquoi y a un apôtre sans que t'es cher? Mais qu'est-ce qu'il fout, là? On a dit c'est le féminisme. C'est homme contre femme. Pourquoi ce serait que des hommes qui combattent, hein? C'est trop d'art. Et cette attaque, comment elle est cheatée? Je peux pas l'annuler par contre. Oh, il m'a mis KO. On appelle QB. Et quand ça suffit plus, il faut profiter de ses pouvoirs de Jin Shuriki. Voilà, tiens ça. Et voilà. On t'avait dit en 2024, les femmes, elles sont plus fortes que les hommes. Waouh, il m'a fait flipper. Ah, mais je suis en dessous de la map. Je suis en dessous de la map. Ah, je suis tombé en dessous de la map.
Qu'est-ce que je fous là? Voilà ce qui se passe quand t'arrives en dessous de la map. Tu spawns de façon bizarre. Allez hop, c'est parti. Le géant de feu. Eh mon gars, on voit même pas ce qui se passe dans l'arène et on verra rien du tout. T'es où mon petit loup? Ah il est là, guettez-le. Ah, j'ai capté. Parce que moi je suis à l'intérieur de lui. Et du coup il essaie de me trouver à l'intérieur mais il me trouve pas. Ah mon gars, y a pas d'excuse. Allez tiens ça. 900. Ah si, il attaque là, il fait de la magie. Bah voilà, un seul combo, il est déjà mort. Ouah, la grosse bouche. Reynala la sorcière. Bah elle est où? Pourquoi ça rigole? Pourquoi il se moque de moi? Mais pourquoi vous moquez de moi? Je suis à l'arène là. Mais arrêtez de rigoler. Ouais, je suis placé du sax. Et c'est parti. Allez tiens ça. Ah, il va où? Il va où? Me dis pas que c'est le truc où il vient du... L'éclair de feu. L'éclair rouge. Ah, il a raté son coup. Mais Ali, la vérité, c'est pas grave. Hey, t'es en train de te faire bousiller par sa magie. Quand même, une femme, un dragon, c'est bien médiéval. Normalement, à l'époque, il s'était misogyne, tout ça. Du coup, si j'utilise les valeurs de l'époque pour le convaincre, une femme, elle peut pas te tuer quand même, Placidus Sax. Va vers le ciel, va vers le ciel, va vers le ciel, va vers le ciel. Là, on a l'Oxurel. Voleur de jus de pomme. Mais non, mais c'est pas ça. Madame Reynala, j'arrive tout de suite. Je vais vous cuire avec votre lit de patates douces. Ah, que 300 de dégâts, c'est tout. Ah, je suis déçu. Ok, alors là, ils vont se recevoir le feu. Et dès que tu... Hein? Non! Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui fait quoi, là? Il a... Oh, il a failli la toucher. Ok, c'est ça qu'il faut faire. Mais faut la toucher, par contre. L'éclair rouge. Et là, tu fonces vers elle. Mais il veut pas toucher. Non, il est KO. Placidoudou. Ok, c'est L2 pour envoyer des flammes. Ok, là, on prépare le feu. Et là, on la brûle. 200, 400... Oh, mais vas-y, Placidus Sax, il est mort. Eh, vas-y, Placidus Sax, il est gaze. On va prendre Maliquette. Allez, moi, c'est bon. On a vu Placidus Sax, il a bien galéré. Maliquette, je sens, il va le faire vite. Allez, tiens ça. Commence par rugir pour lui imposer la testostérone. Hop. Voilà, tac, je t'ai interrompu. Là, je t'envoie ça. Et le rouge. Moi, ce que je veux, c'est lui faire des giga Getsugaten Show, comme dans Bleach. 1, 2 et 3. Et bah voilà, elle est morte. Maliquette, la vérité, meilleur boss. Maliquette, une petite imitation pour le plaisir. Oh, Death, become my blade once more. Ah, je suis trop fort, ouais, je sais. I am Maliquette. Ah bah voilà, guettez qui c'est qui se retrouve là. Elle est là. Allez, carrément, je vais lui mettre une fessée ici. Tac. Voilà. Ah, on peut pas frapper là. T'as de la chance, t'as de la chance. On est dans les souterrains. Oh, ici, c'est vrai qu'il y a plein d'ennemis et tout. Allez, c'est parti, mon pote. On peut ressortir le gros Maliquette Prime. Et tiens ça, mon gars. Voilà les gars. Getsuga Tenchu. Deuxième. Et troisième. Voleur de jus de pomme. Ah mais c'est moi ça. Pendant un instant il y avait mon pseudo, j'ai pas compris. Oh là là ce que je lui fais. Et bah voilà. Bon vous savez, depuis tout à l'heure je veux des gros mobs bien balèzes, bien géants. Elden Beast, Fire géant, tout ça. Maintenant, il faut jouer des petits persos tout mignons. Vas-y, ça va saouler. Donc moi ça y est, je joue un petit écureuil aujourd'hui. Je n'ai plus d'ennemis. C'est bon, c'est fini toute la bagarre, Maliquette, machin. On a plusieurs de problèmes. Moi je suis là tranquillement. Tu vois, je fais de mal à personne, y a pas de problème. Non, il veut m'attaquer. Et pourquoi ils veulent m'agresser? Pourquoi tant de méchanceté? La vérité, on va ressortir le gros boss. Non, c'est bon, je suis là. T'es gentil, tu prends un petit écureuil. Fais de mal à personne. Les gens, ils sont là, ils t'agressent. Ça y est, les gens, ils sont méchants. Moi, je prends le perso le plus méchant de tout Elden Ring. Le gros boss Radahn. Allez hop, tiens ça. Depuis le ciel. L'attaque vient du ciel. Regardez, regardez, le feu, le feu, le feu. Bon, tout le monde est cuit. Et pourquoi il bouge plus? Oh, il répond plus. Oh, Radsko. Ah, c'est bon. Oh. Ah, ça envoie des éclairs derrière moi, c'est sympa ça. Et par contre, moi je veux mon épée. Donne-moi mon épée, s'il te plaît. Voilà les bonnes épées. Les moutons, à tout le monde. Donc moi je viens chez vous et vous me manquez de respect, vous m'avez mal accueilli. Donc j'ai appelé mon grand frère Radahn. Et maintenant on va combattre le géant de feu avec le dragon de magma. Posez pas de questions, vous demandez pas ouais pourquoi est-ce que t'es sur un truc de métal. Oh, on dirait vraiment un dragon de Komodo, hein. C'est vraiment une créature trop chelou. On va aller combattre le géant de feu. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner avec un dragon de magma comme ça. Et puis... Allez ça commence. Ok ça c'est pour avancer et faire du... J'ai un tiers de ma vie, il m'a enlevé. Attends, j'ai pas d'HP là. Non, déjà, il est mort. En fait, le problème, c'est que ce boss, il est fait pour combattre des humains. Pas un géant comme ça. Là, je me fais démarrer, frère, c'est pas le bon. Wouah, je me suis mis debout. Oh, c'est trop tard, guette. Il a deux pattes. Mais tout ça pour rien faire, frère, il s'est pris un gros KO. Wouah, 140, bravo. Ah ouais, il est mort. Eh, la vérité, il est trop gaze, le magma...
142. Ah, c'est bien, ça attaque à distance comme ça. Non, 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 il va m'écraser. Ah, allez, c'est parti maintenant, j'ai pris Radan. Attends, attends. Non, arrêtez de vous battre. Oh, je peux tirer des flèches. Oh, mais c'est d'art ça. Mais je pensais qu'il y avait que les trucs avec l'épée. Et du coup, là, il va tout recevoir. Ah, la vérité, les flèches, elles le touchent. La vérité, il est en train de se faire spammer de flèches. Oh, bah, c'est trop bien. Du coup, je vais dans le ciel. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai soif. Bismillah. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, on revient. On revient, mon pote. Ok, 300, 300, 700, 900. Là, on attaque. Il a trop d'HP, en fait, le géant de feu. Et il tape ses meilleures roulades. Et lui, ça va le malaxer, hein. Allez, c'est bon. C'est mon dernier espoir. Là, je vous assure, j'ai pas meilleur espoir que celui que le géant de feu passe de. Que ce soit le dragon de magma. Là, après, lui, je veux bien. Je sais pas trop, je découvre et tout. Radagon, il fait 2 mètres face à un géant de 40 mètres. Il a rien fait du tout. Ok, si je fais ça, ça fait quoi? Parce que... Ah, mais il est même pas dans la zone de flamme. Ah si, il prend un peu de dégâts. 700, 1300, 1800, 4500. Voilà mon dernier espoir. J'ai tout misé sur toi, mon pote. Oh, bah on roule sur le côté, il n'y a pas de problème. Maintenant, on roule sur le côté droit, faut le toucher. 500, ouais, ça va. Aïe, il m'a fait 1000. Allez, grosse claque. Là, tu vas d'un coup, je m'amuse. Ah non, il m'a mis KO. Ah, mais c'est pas grave, ça fait partie du combat, tu vois. Là... Là, la vérité, j'accepte. Je respecte la vie. J'ai été KO, ouais, c'est normal. Wesh! Ah! Zone volcanique. Oh, c'est trop d'art, les roches volcaniques. Ça pète de partout. Ok, je l'ai mis KO. C'est le... Ah, mais moi aussi, je suis KO. Les deux, ils sont endormis. Le combat, il a vraiment aucun sens. Hein. Et t'as Radan derrière, il regarde, il sait pas quoi dire. Ok, si je roule sur le... C'est quoi, ça? Ah, ouais! Je deviens un lance-flamme ambulant. C'est trop bien. Et c'est quoi du coup l'autre côté? Ah ouais, je brûle le sol. Ok, il passe phase 2. Bon allez, on va combattre la phase 2. On va savoir pourquoi le mec il est tout là-bas. Au lieu de venir vers moi normalement et combattre tel un beau... Ah mais il est avec Radan. Et pourquoi il attaque pas Radan? Ça y est, ils ont fait la paix. Enfin, ils ont fait le paix à la limite, mais là il est trop KO là. 4006, mais moi j'ai fait 4300 de dégâts moi. Maintenant on fait des dégâts par télépathie, mob psycho 100 et tout. Et les deux on dirait vraiment le B et le D dans Abdel. Mais pourquoi il m'attaque pas? Ah mais je sais, c'est parce que c'est moi, mais oui. Parce que pour que je puisse le jouer, j'ai fait en sorte de devenir lui. Et vu qu'on est la même personne, et ben on est dans la même équipe. Et du coup si je veux l'attaquer, bah oui. Ah mais ça j'avais pas prévu, c'est pour ça qu'il a fait la paix avec Radan. Bon bah j'aurais aimé faire une victoire mais finalement j'ai eu encore mieux. On a fait la paix, on n'a pas d'ennemis. Et en plus on dirait vraiment des vikings bien normands, bien Einar et Thorfinn, tu vois, comme dans Vinland Saga. Bon allez c'est parti, on est dans l'arène. Y'a Malenia juste ici, moi j'ai Radan, je suis derrière elle. Elle m'a pas encore vu. Honnêtement je vais dire ce que je pense. 70% de chance que je perde, 30% de chance que je gagne. On verra. Et puis s'il faut toucher le crâne d'un chauve, je le ferai de toute façon. Eh bon, on voit rien mais au pire c'est pas grave. Ok ça commence. 311. Why? Eh, la vérité, je décolle dans le ciel. Bon, les mecs, y a un truc où tu peux... Ah, bah voilà. Exactement. 4000. Ok. Allez, moi, je m'en fous, je vais en abuser. Hein. Alors ça, mon pote... Ah ouais, j'en ai rien à faire. Je vais... Vu qu'elle a deux phases, elle a plus d'HP, elle se régénère. Oh, mon gars. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà ça qu'il faut faire. Voilà, carboniser. Là, vas-y, je vais m'éloigner, je vais tirer des flèches. Parce que... Mais non, va pas vers elle, va pas vers elle. Bouge, 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 bouge. Allez, Radan. On comprend rien à ce qui se passe. Ok, là, j'ai l'arc. Est-ce que je peux tirer des flèches vers elle? Ok, elle est là. Mais pourquoi il fonce vers elle? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, je m'en fous, je refais l'explosion. Ouh. Ok. Faut que je la mette KO le plus possible, en vrai. Ah, mon gars, je vais spammer. Wouah, c'est la waterflow dance. Allez, je décolle dans le ciel. Tu me feras rien du tout avec ta waterflow dance. Allez, tiens ça. Maintenant. Mais je comprends rien à ce qui se passe, je te dis. Non, 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 non. Je vais mourir. Ah ouais, frère, mais c'était... Elle est beaucoup trop forte, Malenia, ça le problème. Bon bah c'est parti, du coup, je vais aller dehors et je vais faire le fameux défi. Bon, c'est parti, je me lance dans ma recherche. Je cherche un chauve. Comme c'est bizarre un peu, hein. Tu te promènes dans la rue, tu cherches... Est-ce qu'il y a un chauve par-ci, par-là, tu cherches des vieux. Ah frère, la cible, c'est les anciens, hein. Ceux qui ont été ravagés par la calvoche. Je suis le prochain, mais vas-y, je vais aller chercher du coup. J'ai repéré un chauve en t-shirt jaune, il est rentré dans un magasin. La vérité, je vais le rejoindre. Je vais aller le suivre. Bonjour. Excusez-moi. En fait, ça peut être bizarre, mais en fait, j'ai perdu un défi. Et comme défi, ce que je dois faire, c'est toucher le crâne d'un chauve. C'est pas... Ça n'a pas de mauvaise connotation, mais...
Mais est-ce que du coup vous pourrez m'aider pour ça ou pas? Franchement, non. Non, rien, pas de problème. Bonne journée. Bonne journée.